Bonjour, c'est Abdoul, je suis au chantier naval Borg. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec une actrice nommée Géraldine Lapalue. Silence, on tourne. C'est elle. Hey, c'est... Oh, c'est Géraldine. Qu'est-ce que tu fais sur ma mob? Ah, c'est ta mob? Ah bah ouais, attends. Bah écoute, j'adore, hein. Remarque, t'es bien dessus, tu peux te réasseoir si tu veux. Ah. Tu sais que c'est une belle italienne, elle date de 67. Ah ouais, carrément. Ouais, carrément, ouais. Ça me fait plaisir de te revoir. Mais moi aussi. Pourquoi les cinéastes sont-ils fascinés par notre région? Marseille et la région en particulier, on a tous les décors qui existent. C'est-à-dire que vous avez la mer à perte de vue, des côtés très citadins, très urbains, des bâtiments, il y a de la banlieue, il y a plein de choses comme ça. Il y a des nouveaux bâtiments aussi qui sont très intéressants, comme le Mucem. Et puis aussi tout le côté, je disais la mer, mais les calanques, un côté sauvage. Tu vas au Goud, t'as l'impression d'être au bout du monde. Je peux te faire visiter peut-être, hein? Mais carrément. Allez, on y va. Alors... Je t'en prie. Waouh! T'as vu, hein? Mais alors, où est-ce que tu m'emmènes, là? C'est incroyable, cet endroit. C'est stylé, hein? C'est stylé, des barques. Regarde-moi ça. Ça me parle, tu vois. T'as vu? Ça, c'est Marseille, quoi. Ouais, c'est des souvenirs d'enfance. Les barques marseillaises comme ça, cet endroit est complètement incroyable. Moi, je suis une vraie Marseillaise, hein. Je suis née ici, j'ai encore toute ma famille ici, j'ai grandi, j'y suis toujours. Maintenant, sur la Côte Bleue, mais toujours très ancrée à Marseille. Et pour moi, cette chiode, la mer, les bateaux, la pêche et tout ce qui est autour, ça me parle beaucoup. Wouh! Ça rigole pas, hein? Tu sais que je suis d'origine corse aussi, hein? Bah oui. Je suis une vraie méditerranéenne, bah oui. Moi. Allons, on se casse en Corse! Allez, on se casse! Attendez-nous! Waouh! Wow, j'adore cet endroit où tu m'as amené, Abdoulin. Ah bah ouais, hein. Bah, c'est super. C'est fait pour, hein? Moi, il y a un truc qui m'intrigue, Géraldine. Quelle est la différence entre une comédienne et une actrice? Tu veux dire au théâtre ou au cinéma? Tout à fait. On va dire que le théâtre, c'est vraiment du spectacle vivant, comme je disais tout à l'heure. Donc la différence de travail, elle va être plus dans l'échange. Alors, t'as un échange au cinéma, évidemment, avec les comédiens. Mais quand tu te trompes ou quand tu ne sens pas, le réalisateur peut couper, que ce soit toi qui le ressente pas ou le réalisateur. Là, au théâtre, t'es sans filet. Bon, moi, je suis pas acteur, mais si tu devais inviter un acteur dans notre région, tu choisirais qui? J'ai carte blanche. Carte dans blanche. Le monde entier. Allez, dans le monde entier, comme tu veux. Bon, je vais me faire plaisir. Ah, attention. Je prendrai Leonardo DiCaprio. C'est un acteur extraordinaire. Tu le vois jeune puis âgé quand il joue les méchants, les gentils, dans n'importe quel film. Il est toujours d'une justesse, d'un jeu d'acteur qui, pour moi, c'est un des meilleurs acteurs au monde. Donc, je l'amènerai à Marseille. Alors là, ça ne serait pas la plage en Thaïlande. Ce serait le vieux port et la bonne mer. Une réplique avec lui. Je saute. Tu sautes? Je saute. Avec lui, je saute dans le vieux port. Ah ouais, comme Kate Winslet. Exactement, je ferai ma Kate Winslet marseillaise. C'est incroyable, elle est géniale cette fille. Et voilà, on se quitte. C'était Géraldine Lapalue et j'étais invitée par Abdoul. Et clap de femme.